Autre start-up aidée par la Chambre de commerce et d'industrie du Val-d'Oise, c'est Guillaume Richard. Alors Guillaume Richard, vous aussi, le confinement vous a permis de réfléchir et de modifier, j'allais dire, votre start-up, de vous adapter en fait, parce que vous avez créé une entreprise qui s'appelle Devenez Chef. C'est un très joli nom, très joli logo d'ailleurs, bravo. Et alors qu'est-ce que vous nous proposez avec Devenez Chef? Alors en fait, Devenez Chef, l'entreprise, donc la start-up, c'est à la base c'est la rencontre de deux générations. C'est grâce à la CCI du 95 et Pierre Kuchly que j'ai rencontré mon associé actuel qui est Joël Boileau, donc qui est maître cuisinier de France et qui était un ancien hôte étoilé aussi au Auvers-sur-Oise. Donc on a créé Devenez Chef en 2019, donc qui propose donc des jeux de cohésion d'équipe en entreprise. L'idée, Donc toute c'est jeune entreprise, exact. finalement, vous veniez de démarrer. Donc on a eu quelques jours de réflexion pendant le confinement, et là on a décidé de se réinventer. Et donc de plus d'avoir une deuxième corde à son arc et de développer donc la partie grand public. Donc là aujourd'hui on avait une offre Devenez Chef, c'était une offre 100% entreprise, et donc là on a créé un jeu de société, le premier jeu de société culinaire en France. Voilà, c'est le scoop du jour, c'est que Exactement. vous créez un jeu de société. Pendant le confinement, donc en 4 semaines de confinement, avec l'équipe, on a travaillé tout le temps d'arrache-pied pour sortir le jeu, puisqu'on avait ce côté-là hyper. Tous les gens pendant le confinement aussi se sont remis à la cuisine, donc on a surfé sur cette vague-là, et on a sorti donc un jeu de société culinaire où vous allez pouvoir donc cuisiner donc sous forme de jeu, donc avec un objectif qui va être commun, qui va être donc de cuisiner un vrai repas de chef. Et donc tout le jeu de société aujourd'hui, tous les menus sont faits par notre chef Joël Boileau, c'est de la haute gastronomie accessible à tous. Et après, l'objectif individuel, ça va être donc d'être le plus étoilé de la brigade. Alors, du coup, ce jeu, en plus, il faut dire que vous avez mis 4 semaines à développer. Vous avez eu un succès formidable puisque vous avez eu 4 000 téléchargements, parce qu'on peut le télécharger gratuitement pour le moment. Exactement. Il est en bêta test, c'est comme ça qu'on dit, hein, dans le développement d'une entreprise. C'est ça. Donc, ce jeu est en bêta test sur votre site internet. On va rappeler le site, si vous voulez bien, Guillaume. Alors le site c'est devenezchef.fr. Donc là on l'a mis au téléchargement gratuit. Donc c'est sous format où il faut le télécharger, il faut l'imprimer, il va falloir le découper. C'est un peu homemade, hein. Donc c'est quelque chose qu'on a créé en confinement. On ne pouvait pas l'imprimer, on ne pouvait rien faire parce que tout était fermé. Donc on a fait avec les moyens qu'on avait. Et donc ça, ce jeu-là, on a décidé que le premier menu du jeu, pour se faire connaître, pour aussi faire jouer les gens et découvrir un peu cet univers, l'univers de Devenez Chef, on l'a rendu gratuit jusqu'à fin juin. Alors, on ne va pas tout dévoiler hein, dans ce jeu parce que vous allez nous garder ça pour l'automne quand il va sortir fin septembre. En attendant, c'est un jeu qu'on peut faire en famille avec des enfants, les parents, tout le monde peut s'amuser à faire des entrées, des plats ou des desserts ou les trois, peu importe. Oui, C'est ça? exactement. Bah, en fait, le jeu, on l'a vraiment adapté pour les enfants aussi et à cuisiner en famille. C'est devenez chef en famille et entre amis. Donc voilà, c'est le premier jeu culinaire à télécharger en ce moment gratuitement. Profitez-en sur l'application devenezchef.fr. Alors Guillaume, expliquez-nous un petit peu votre modèle économique parce que vous êtes incubé à la turbine. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a besoin de quoi pour faire ça? Est-ce que vous avez besoin d'un labo, comme on dit dans le milieu? Alors oui, à la turbine, on a des bureaux et on a un labo. Le labo va nous servir vraiment, c'est le labo du chef. Donc c'est là où on va faire tous nos tests. Là, on est en développement nos futures recettes, pour nos futurs menus qu'on va sortir donc en automne pour le jeu de société. Tout est fait ici, donc entre nous. C'est le labo du chef, il fait tous ses essais, tous ses tests. Et après, on l'envoie donc à nos bêta-testeurs qui vont tester le jeu avant qu'on l'imprime et qu'on puisse vraiment le commercialiser. C'est important, il y a beaucoup de tests avant à faire pour que ça soit parfait. Pour voir si les menus plaisent en plus. Qui Exactement, sont les exactement. bêta-testeurs, Guillaume Richard? Alors, nos bêta-testeurs, pour devenir bêta-testeur, c'est très simple. Aujourd'hui, on propose sur notre communauté Facebook, on a créé un groupe privé de bêta-testeurs qui nous permet aujourd'hui de communiquer avec nos bêta-testeurs et de faire tester les recettes. Comme ça, ils peuvent les tester, c'est gratuit. Et après, nous, ça nous permet d'avoir leur retour et de faire un vrai menu qui tient la route.
Alors, vous êtes une équipe de combien de personnes pour pouvoir mettre tout ça en place? Et qu'est-ce que vous avez, comment vous allez faire pour vous développer? Vous avez besoin de financement? Est-ce que c'est de la love money? D'où ça vient? Alors oui, là aujourd'hui, au niveau de l'équipe, on est quatre. Donc, mon associé, le chef Joël Boileau, maître cuisinier de France, et après deux autres personnes donc, qui vont nous aider à développer le jeu. Aujourd'hui, pour sortir le jeu, on a décidé de le faire, comme vous l'avez dit, c'est de la love money, c'est du financement participatif. On sort début juillet, durant un mois, des précommandes sur la plateforme KissKissBankBank, qui nous permet plateforme de crowdfunding. Exactement, crowdfunding, ce qui nous permet donc de faire nos précommandes et surtout de pouvoir financer notre première production. Et c'est comme ça, c'est là où on va commencer à se réinventer et c'est le premier jour où on va nous permettre de sortir notre jeu au mois d'automne. Voilà, donc on fait un appel. En fait, pour vous, ce qu'il faut aujourd'hui pour le futur, c'est faire un appel à tous ceux qui veulent vous financer ou participer à ce développement. Et puis peut-être de faire une précommande quand ça sera prêt. Donc quand est-ce qu'on va pouvoir, qu'est-ce qu'il faut dire aux auditeurs qui veulent investir? Ça sera prêt quand? Alors, tout sera prêt aux précommandes. À la précommande, donc ça sera prêt. Donc il suffit d'aller sur notre site commencer à précommander. Donc ça, c'est à partir du début juillet. Voilà, donc début juillet, on fait quoi exactement, Guillaume Richard? On va sur quelle plateforme pour... Donc on va sur Devenez Chef. Exactement, devenezchef.fr, rendez-vous donc sur Devenez Chef pour précommander. Et en attendant, vous pouvez suivre sur nos réseaux Devenez Chef sur Facebook, Instagram. Donc, si vous voulez aider au développement d'un jeu made in France, made in Val d'Oise, même on peut dire, hein, puisque vous êtes incubé à la Turbine, que le chef est un chef qui était avant à Auvers-sur-Oise. Donc, si vous voulez aider Guillaume Richard et sa société, devenezchef.fr, attendez début juillet, vous serez guidé pour pouvoir participer au financement et surtout pour acheter ce jeu en précommande. Merci beaucoup.